L'équipe de Dukascopie TV vous présente une autre édition du calendrier économique. Voici les publications les plus importantes prévues pour mardi le 28 avril. Une estimation préliminaire du PIB du premier trimestre du Royaume-Uni qui est bien attendue va paraître à 8h30 du matin. Au quatrième trimestre, la croissance s'est affaiblie plus que prévu, poussée plus bas par des chutes dans le secteur de construction et celui minier. Les approbations de prêts hypothécaires du Royaume-Uni pour mars vont paraître à la même heure. Le nombre d'approbations a surpris à la hausse en février, témoignant d'une reprise actuelle du marché du logement. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Pelosi, va faire un discours bien surveillé à 12h45 GMT, lorsqu'il va témoigner devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes à Ottawa. L'indice de la confiance des consommateurs des États-Unis pour avril, qui est d'une grande importance, va paraître à 14h. L'indice a rebondi en mars et s'établit actuellement à son deuxième plus haut depuis 2007. La balance commerciale de la Nouvelle-Zélande pour mars va paraître à 11h moins le quart du soir. L'excédent commercial a progressé moins que prévu en février, suite à une forte baisse des exportations des produits laitiers. Et la dernière publication va paraître à 1h, et c'est celle de la confiance des entreprises de la Nouvelle-Zélande pour avril. L'indice a continué à progresser en mars, ayant atteint son plus haut sur 6 mois. C'est tout pour le calendrier économique de mardi. Revenez pour voir notre prochaine révision des événements clés prévus pour mercredi. Au revoir.